Bienvenue dans le 7 minutes au sommaire de cette édition. La deuxième édition d'expertise publique Expo s'est tenue sous le sceau de l'innovation et de la qualité dans les services publics délégués. A yopougan ondokwa le litige foncier entre Ébrier et Hattier n'est toujours pas résolu. Et à Boisquier, les meilleurs élèves du lycée technique ont été récompensés lors d'un tournoi de football. Sous le thème Redéfinir l'expérience client et citoyenne, les responsables des entreprises d'État ont réaffirmé leur détermination à répondre aux attentes du gouvernement et de la population. En effet, la deuxième édition de l'Expertise Public Expo se consacre à l'innovation et à la qualité des services publics délégués. Cet événement, organisé par le groupe Fraternité Matin en collaboration avec Expertise Locale, constitue une plateforme dynamique pour améliorer l'expérience client et citoyenne en Côte d'Ivoire. L'innovation, moteur du progrès, a été mise en avant comme un levier crucial pour transformer les services publics et en optimiser la qualité. Engagé à soutenir ce genre d'initiative qui permet de révéler au grand jour toutes les réformes que l'État a faites, permettre aux entreprises qui exercent une partie du service public de façon déléguée. Le résultat de toutes ces réformes. L'innovation et la qualité des services publics délégués sont au centre des préoccupations des acteurs issus des secteurs tels que l'assainissement, l'eau, l'énergie, la sécurité sociale, les télécommunications et les travaux publics. Vraiment mettre le, on va mettre le client au cœur de l'activité parce que euh, tout ce qu'on entreprend, c'est un, un objectif précis. Quand on crée une entreprise, c'est parce qu'on a un besoin qu'on veut satisfaire par rapport à des clients. Pour l'État, en général, ce sont les concitoyens. Donc, quand l'État délègue des services, c'est vraiment pour que les le citoyens soit satisfait. Pour il faut savoir s'il est satisfait, il faut forcément qu'on ait un retour de ce client-là. Et déjà avant le retour, même il faut que le, le, le citoyen sache vraiment euh, à quoi il a, à, à quel type de service il a accès, comprendre un peu comment ça fonctionne. Nous voulons que la population retienne, c'est que bien que nous soyons une entreprise de services publics, nous déployons des actions qui visent à améliorer l'expérience du non, client. Ouais. Donc améliorer l'expérience du client, comment de pour, euh, Nous veillons déjà à collecter ses besoins. À collecter les attentes des clients, à leur apporter une réponse efficace et surtout à améliorer l'expérience qu'ils ont avec nous. Cette édition d'expertise publique Expo s'inscrit dans une volonté de rassembler les acteurs du service public sur une plateforme accessible au grand public, permettant ainsi une meilleure connaissance des entreprises de service public et un renforcement de leur image de marque. C'est une première en Afrique. Le salon Brands Licensing Africa a tenu ses promesses au parc des expositions d'Abidjan, marquant un tournant majeur dans l'expansion de l'industrie des licences de marque sur le continent. L'événement a réuni acteurs économiques, entrepreneurs et grandes marques africaines et internationales autour d'une même ambition conquérir de nouveaux marchés grâce au licensing. Il est essentiel de protéger son savoir-faire et créateur. Parce que là, ça veut nous garantir la protection en fait de votre investissement et ça évite que votre produit fasse l'objet de fraude également de, de façon vous, et open cela. une des missions de la chambre de commerce et d'industrie c'est d'appuyer les opérateurs économiques et de faire de telle sorte que nous puissions vers la promotion du secteur privé ainsi nous avons décidé en tout cas de mener cette bataille est de faire de telle sorte que chacun réalise que la labellisation de ses produits est une richesse. Et donc, il faut faire sa promotion, c'est une industrie. Pour cette première édition, pas moins de 1000 participants ont répondu présents venus de divers horizons, dont une quinzaine de conférenciers et 25 exposants. Un salon qui est daté, puisqu'il va dorénavant se tenir tous les ans. Et ce salon va, va inviter tous les entrepreneurs, tous les territoires, toutes les activités euh, ivoiriennes ou africaines qui peuvent avoir des caractéristiques pour être une marque à venir tirer tous les enseignements pour pouvoir se protéger, s'identifier et se promouvoir. Et ça va être aussi un salon où l'ensemble des euh, industries qui peuvent être des, des licenseurs de marques vont venir comme ça pour découvrir des pépites de marques africaines et pouvoir les développer en Europe, aux États-Unis, en Asie. Durant deux jours, les discussions se sont tenues autour de cinq thématiques phares la mode, la beauté et la cosmétique, l'alimentation et les boissons, le divertissement et la vente au détail. Tout à fait savoir que nous venons de ce Tous ces jusqu'ici, ce sont nos et nos Suite à cette déclaration des ébriers de yopougon la chefferie de Yopougon-Ondokwa est sortie de son silence. Au cours d'une conférence de presse, la chefferie des Atiers d'Ondokwa a fait des précisions. Selon le chef de la communauté Atier, les parcelles de terre en question appartiennent historiquement à leur peuple. Il n'en est Ce problème a été réglé. réglé par les tribunaux de la Côte d'Ivoire. Ce problème a été réglé. Parce que c'est cette communauté qui nous a provoqués nous a envoyé en justice. Pas trois fois. Cette communauté a trébuché. En pleine instance, à aussi, ils ont fait une, une assignation qui s'est sauvée par notre victoire, la victoire de la communauté attiée. Yapi Léonce a lancé un appel symbolique à enterrer la hache de guerre entre les communautés afin de favoriser une résolution pacifique. Donc autant nous sommes des parents, autant on ne va pas faire des parables. Parce que je dis à mes parents hébreux, il a le père de Guidan, nous fréquentait, mon oncle. Et si t'as c'est ça. J'ai dit à mes parents, de dire, donc arrêtez les palabres. à rien parce qu'il a plus de terrain. À la vérité, il n'y a plus de terrain là-bas. La question reste ouverte quant à une résolution juridique ou administrative. En attendant, les autorités locales, quant à elles, sont appelées à jouer un rôle de médiation afin de parvenir à un compromis respectant les droits et les intérêts de chaque communauté. Et pour finir, le lycée technique de Boaké a abrité un tournoi d'excellence doté du trophée Dr Adama Koulibaly. Cette compétition, organisée par la Fédération nationale des travailleurs du textile, du coton et de l'anacarde de Côte d'Ivoire, a vu la participation de cinq équipes, dont une venue de Yamoussoukro. La organise le tournoi de Maracana pour renforcer la cohésion entre les acteurs de la filière que nous sommes et aussi la solidarité. Et comme vous le savez, la, le sport aussi eh, favorise la santé. Et nous avons besoin de beaucoup de santé au niveau des travailleurs pour être efficaces et pour donner le meilleur de nous-mêmes. Euh, je suis vraiment fier de notre victoire. Ce n'a pas été facile. Mais Dieu de sa grâce a permis à ce que nous rapportons ce trophée et y compris le meilleur buteur. Je dirais c'est vraiment une joie qui me comble et je tiens à dire merci aussi aux organisateurs. À l'occasion de ce tournoi, les meilleurs étudiants ont reçu des diplômes d'encouragement. Les organisateurs du tournoi se préparent déjà à relever le défi de 2025 en zone rurale. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi, l'information continue sur cette info et sur www.setinfo.ca.